Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que je peux ouvrir la première, s'il vous plaît? Oh, qu'est-ce que c'est génial! Je vais essayer tout de suite. Oh, il y a des nouilles à l'intérieur! Trop bien! Je vais essayer tout de suite en roulant un peu plus les baguettes. Oh, c'est délicieux, les filles! Les filles, c'est incroyablement bon! Je suis prête à manger toutes ces nouilles toute seule! C'était vraiment très bon! Et quoi, les filles, vous attendez quoi pour ouvrir le vôtre? Allez, au suivant! Voyons voir ce qui m'attend. Quoi? De la sauce piquante Tabasco? Pourquoi je n'ai pas eu quelque chose de délicieux, moi? Bon, essayons juste une goutte. Oh, ça brûle! Oh, merci les filles, vous m'avez aidée. Maintenant, c'est au tour de Chris. Hourra! Qu'est-ce que je vais avoir? C'est une boule de neige! Intéressant! Qu'est-ce qu'elle peut faire? Oh, tout gèle autour! Je n'en veux pas non plus! Oh, cette boule de neige est pour moi? Super! Elle est si belle! Oh non, que se passe-t-il? Non, elle gèle! Je l'ai cassée! Pourquoi fait-il aussi froid? Oh, mais quel cauchemar, les filles! Les filles sont gelées! Il faut résoudre d'une manière ou d'une autre! Bien sûr! Je vais boire plus de Tabasco, alors je pourrai certainement dégeler mes amis! Oh, le feu arrive! Ça brûle tellement! Bon, Chris va fondre! Et maintenant, Annie! Maintenant, aidez-moi! Aidez-moi! Oh, j'ai une idée! Je vais essorer mes cheveux et mettre de l'eau! Voilà! S'il te plaît! C'est fait! Merci les filles! Que ferais-je sans vous? Maintenant, c'est à mon tour d'ouvrir le coffre. Je suis très curieuse de savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Qu'est-ce que c'est? De l'oignon? Mais quelle horreur! Bon, il n'y a rien à faire. Il va bien falloir le manger. Oh, je déteste ça! C'est horrible! Je crois que je vais pleurer. Bon, allez, il faut que je me dépêche de le manger. Oh, désolée, ça sent pas la rose, hein. Mais vous m'avez forcé à manger tout l'oignon. Nous allons régler ce problème. Reste tranquille. Maintenant, je vais voir ce qu'il y a dans mon coffre-fort. Qu'est-ce que je vais avoir? Waouh, c'est un gâteau! Il est si beau et si appétissant. Je le coupe. Une grosse part pour moi. J'ai hâte de goûter! Oh, c'est vraiment bon! Incroyable! Eh bien, elle ne va pas partager avec nous! Laisse-moi ouvrir le coffre-fort! Oh, j'ai eu une bouteille étrange! Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Ça ressemble à une belle poudre dorée! Waouh, tout devient flou! Quoi? Qu'est-ce qui t'arrive, Chris? Ah, mais c'est de la poudre soporifique! Compris, Chris s'est endormi! Réveille-toi, la dormeuse! Allez, elle dort comme un loir! Oh, j'ai une idée! Je vais la réveiller avec ma mauvaise odeur! Réveille-toi, Chris! Quoi? Où suis-je? Ça sent vraiment mauvais! De rien, c'est de la poudre soporifique! Allons endormir, Annie! Parfait! Elle va sûrement prendre la rose et vouloir la sentir! Annie, c'est pour toi! Vraiment? Pour moi? Mais si, les filles! Oh, ça sent si bon! Oh, je somnole! C'est fait! Lève-toi et nous prendrons le gâteau! Oups! Mais l'essentiel, c'est que le gâteau soit avec nous! Les filles, ça vous dérange si j'ouvre en premier? Hourra! J'ai tellement hâte de voir ce que j'ai! Oh! C'est quelque chose d'étrange! Ça ressemble à une sorte de chaudron! Bon, on verra plus tard! Alors, Karima, on va voir! Waouh! J'ai un énorme Kinder! C'est tellement cool! Ça a l'air vraiment génial! Et c'est incroyablement bon! Je ne veux pas partager avec vous! Oh! Il y a même un jouet à l'intérieur! C'est trop cool! Quoi? Un ours en peluche? Annie, prends-le! Je préfère le chocolat au stupide peluche! L'ours peut rester ici! Oh là là! Quelque chose se passe! Waouh! Maintenant, c'est un ours en guimauve! Oh, c'est tellement délicieux! Les filles au chandron a fait de la nourriture en guimauve! C'est tellement cool! Je pense qu'il est temps d'ouvrir le coffre-fort de Chris! Je suis tellement curieuse! Quoi? Du fromage bleu? Il sent tellement mauvais! C'est horrible! Et comment je suis censée le manger? Il est tellement dégoûtant! Berk! Je ne peux pas! Annie, est-ce que je pourrais emprunter ton chaudron? Oh, merci! Tu es la meilleure! Mettons le fromage dans le chaudron! Waouh! Et je vais sortir un morceau de gâteau! Génial! J'adore ça! Délicieux! Oh, je ne peux pas m'arrêter de le manger! C'est trop bon! Non, les filles! Ne me filmez pas! Mais pourquoi? Alors je prends ton téléphone! Oh non! Mon téléphone est devenu un téléphone en chocolat! Cela va certainement recueillir des millions de likes!
il y avait une vidéo légendaire avec des millions de vues dessus. Bon, qui veut ouvrir maintenant? Chris, ne regarde pas. Tu ferais mieux d'ouvrir ton coffre. D'accord, qu'est-ce que j'ai? Oh, des citrons! Mais quelle horreur! Je ne veux pas manger cette chose acide. Burke, ça me donne des frissons rien que d'y penser. Vous trouvez ça drôle de me voir faire la grimace? Bon, allez, ça suffit de se moquer de moi maintenant. On ferait mieux de regarder ce que Emma a dans son coffre. Pas de problème, regardons. Waouh, j'ai un milkshake incroyable, ça a l'air somptueux. Il a l'air tellement délicieux. Pourquoi vous êtes ici? Partez! Ce milkshake ne suffira pas pour nous trois. Bon, allez, je vais ouvrir mon coffre. Qu'est-ce que j'ai? Oh, ce sont des montres anciennes. Bon, voyons voir. Que se passe-t-il si j'appuie sur ce bouton? Oh! Les filles sont bloquées. J'ai arrêté le temps. Génial! Oh, regardez ce que je fais. Je vais boire son cocktail pendant qu'elle est figée. C'est tellement bon. Et elle va manger ses citrons. Allez, hop! Et je vais aussi leur mettre du maquillage. Allez, un petit peu par-ci, un petit peu par-là. Un petit clown! C'est génial! Je crois que ça va leur plaire. Je vais remettre le temps maintenant. Emma, as-tu vu ton visage? Il est tellement drôle! Quoi? Qui m'a fait ça? Et Annie, c'est sûrement toi! Je suis super contrariée maintenant! Ah, ça te va vraiment bien! Allez, tu peux aller à l'école comme ça! Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Wow, un Happy Meal! Quoi? Quelle horreur! Ces frites sont délicieuses, je les adore! C'est tout simplement merveilleux! Mais quel goût ont-elles? Elles sont si délicieuses! On en redemande! Je pourrais mettre des frites dans la fontaine de chocolat? Je me demande quel goût ont les frites au chocolat. Ça doit être génial. Oh, c'est trop bon. Un goût exquis. Et pourquoi ne pas plonger tout le paquet d'un coup? Et maintenant, j'ai des frites au chocolat. Miam! Oh, c'est vraiment impoli. C'est fini. C'était trop bon. Tu as mangé tout? Non, j'ai encore un burger et je vais aussi le tremper dans le chocolat. C'est tellement bon! Un burger au chocolat! Trop bon! Tellement délicieux! C'est incroyable! Je sais pas m'arrêter! Oh, tu as de la chance! Moi, j'ai des pâtes dégoûtantes! Allez, mange-les! Bien sûr qu'elles soient dégoûtantes ou non, elles sont amusantes! Je vais jouer avec! Oh, c'est trop bien! Oh non! Enlève ces trucs de ma tête! C'est horrible! Voici la fontaine! Allez, mange! D'accord, je vais les manger, ces pâtes de poulet dégoûtantes. J'espère que le chocolat améliorera un peu leur goût. Oh, Burke! Oh, c'est vraiment dégueu! Comment t'as pu? Je me demande ce que j'ai. Oh non, quelle déception! Qu'est-ce que j'ai? Oh, une sucette géante! J'adore les énormes sucettes! Je vais la plonger entièrement dans les chocolats! Du caramel avec du chocolat, c'est tellement génial! Très savoureux! Mais il manque quelque chose! Oh, je sais! Bien sûr! Des petites décorations! Je vais les tremper entièrement comme ça et lécher le caramel! Oh, c'est trop cool! Oh, regarde! Qu'est-ce qu'il y a, là? Je vais faire ça tout de suite! Je vais verser du citron sur sa sucette! Il n'y a rien là-bas! Pourquoi tu dis ça? Oh, quel goût dégoûtant! Mais qu'est-ce que c'est? Tu as fait ça? Allez, mange tes citrons, toi! Ok, j'ai pas envie, mais je vais les manger! Oh, c'est tellement acide! J'espère que le chocolat améliorera leur goût. Ou peut-être pas. Oh, je ne pense pas que ce sera bon, mais je suis prête. Oh, les citrons sont super acides. J'en suis toute retournée. C'est un tel cauchemar. Ils sont tellement affreux. Mais je vais quand même manger celui-ci. Allez, le suivant. Il n'en reste qu'un. Oh. Et moi, j'ai fini ma sucette. Elle était assez délicieuse. De plus, elle a du chewing-gum à l'intérieur. Ah, ça, c'est marrant. Laisse-moi ouvrir le mien.
Bah, du poisson qui pue! Mais quel cauchemar! Je ne mangerai pas de poisson! J'espère que j'ai quelque chose de bon. Oh oui, un hot dog! Excellent! Je vais le prendre très discrètement, donne-le-moi. Non, mange ton poisson dégoûtant, toi. Il est complètement cru, ça sent tellement mauvais. Oh, quel cauchemar, quelle odeur horrible! Oh, j'ai trouvé quelque chose. Une pince à linge! Je vais me boucher le nez avec cette pince à linge pendant qu'elle mange du poisson. Je vais le tremper dans la fontaine. Mais le poisson avec du chocolat, c'est quelque chose. Oh, je vais le goûter, mais je vais prendre qu'une petite bouchée. Ah, c'est horrible, je vais juste le manger en entier. Oh, c'est dégueulasse. Oh, mais qu'est-ce que tu fais? Oh non, Berk! Cette horrible colonne vertébrale sur ma tête, Berk! Pourquoi tu as fait ça? Bon, allez, oublions. Maintenant, je vais tremper mon hot dog dans le chocolat, ça devrait être très bon. Je vais le manger en entier aussi, comme toi avec ton poisson. Mais je n'en retirerai qu'un immense plaisir. Oh, c'est trop bon! Trop, trop bon! Ah, oh, j'aurais espéré pas avoir vu ça, c'est tellement indécent. Oh my god! Allez, ouvre-le! Oh non! Encore des citrons et des huîtres! Les huîtres au chocolat, c'est horrible ça! Et toi, tu as quoi? Oh ouais, j'ai des guimauves! La combinaison parfaite des guimauves au chocolat! Avec des petites décorations! C'est ce qu'il me faut! Allez, on en met un peu sur le dessus! Waouh! Oh, c'est trop bon! C'est fantastique! À ton tour maintenant! Oh, c'est dégueu! D'accord, je vais le tremper dans le chocolat. Peut-être que ça aura un meilleur goût, mais c'est quand même horrible. Ok, je dois les manger maintenant. Waouh! Je vais m'évanouir, c'est dégueu! Super, allez, continue de manger. D'accord, je vais en mettre deux sous la fontaine d'un coup. Je veux me débarrasser au plus vite de ce truc dégoûtant dans ma bouche. Eh bien, j'ai probablement jamais mangé autant de saleté. Oh, c'est vraiment pas bon. Je peux plus en manger, c'est dégueulasse. Et toi? J'ai déjà fini les miennes. Alors? Oh non! Encore un truc dégueu, c'est de l'oignon. Pas de chance du tout. Et toi, tu as quoi? Voyons voir ce que j'ai, moi. Oh, de délicieux biscuits avec des M&M's. Merveilleux. Ils sentent trop bon, mais quelle bonne odeur. Je vais tremper un biscuit dans le chocolat. Voyons quel goût j'obtiens. Oh, c'est sucré. C'est trop bon. Donne-en, s'il te plaît. Non, maintenant tu manges ton oignon et je vais savourer ce délicieux biscuit. Maintenant, je vais faire comme ça. Je vais les tremper immédiatement dans le chocolat. C'est trop bien! J'adore ce goût! C'est un véritable festin! J'aimerais aussi quelque chose comme ça, moi! Oh, je suppose que je vais devoir manger mon oignon. Oh, ça pue! Oh, peut-être que je vais juste lécher le chocolat qui est sur le dessus de l'oignon. Allez, je vais croquer dedans, d'accord? Waouh, c'est dégueulasse! Oh, je vais pleurer! Allez, prends des mouchoirs, tiens! Merci! Ils sont très utiles! Allez, c'est parti! C'est vraiment terrible! Le chocolat n'a pas aidé du tout! Berk! Oh! Qu'est-ce que c'est? Tu vas bien? Que se passe-t-il? Oh, désolée, je pensais pas que ça arriverait.
J'ai décidé que je voulais des beignets. Annie est déjà prête à cuisiner. Wednesday a préparé la pâte et grand-mère est toujours prête. Allez, c'est parti. J'ai déjà préparé la pâte. Maintenant, nous allons la mettre dans le moule et préparer de délicieux beignets. Enid, as-tu fait quelque chose, toi? Oui, je dois préparer une super pâte pour les beignets. Nous faisons un tas de farine, cassons un œuf dedans. Maintenant, pétrissons la pâte, formons un beignet rond et mettons-le dans l'huile chaude. Et ensuite, attendons la cuisson. Maintenant, c'est mon tour de faire des beignets. Versez dans l'appareil ma pâte noire. Comme mon âme noire. Et les voilà déjà prêts. Il ne reste plus qu'à imaginer un design horrible. Je dois saupoudrer mes beignets de sucre de glace pour qu'ils soient non seulement moelleux, mais aussi sucrés. Il est temps de sortir les beignets de l'huile. Parfait. Maintenant, il faut verser tout cela avec un glaçage sucré coloré et saupoudré de paillettes colorées. Mais ça ne veut pas s'ouvrir. Oh, excusez-moi, mais ils ne sont pas bien dispersés sur le beignet. C'est prêt. Maintenant, tout sur une assiette et nous pouvons le donner à la petite. Waouh, quel délice! Je veux goûter rapidement les beignets de Wednesday. Délicieux! Je veux tout manger. Et qu'avons-nous ici? Qu'est-ce que c'est? Délicieux! Il faut absolument goûter. C'est pas mal. Et ensuite? Oh, de si beaux beignets colorés! Il faut vite les goûter. Waouh, c'est délicieux. Mais j'ai décidé que Wednesday allait gagner. C'était vraiment très bon. Maintenant, je veux des frites. Ok. C'est parti. Grand-mère, passe-moi l'éplucheur, s'il te plaît. D'accord, pas de problème. J'en ai un de toute façon. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Nous allons vite nous occuper de ces pommes de terre. Grand-mère, peux-tu m'aider à sortir les pommes de terre? S'il te plaît, tire, tire. Voilà. Merci beaucoup, grand-mère. Maintenant, nous allons couper toutes les pommes de terre en petits morceaux et tout peindre en couleur arc-en-ciel. Parfait. Il est temps de les mettre dans l'huile. Oh, c'est déjà prêt? Je vais les disposer sur une assiette en forme d'arc-en-ciel pour que Kim aime ça. Je suis tellement douée. Grand-mère, comment trouves-tu mes frites? Nice. Tout est excellent, Enid. Mes frites sont déjà prêtes aussi. Essayons maintenant. Ou alors non. Transférons dans un plat et versons du ketchup dessus. Et voilà. Tout est prêt maintenant. Merci beaucoup. Et qu'est-ce que Wednesday a préparé? Je suis presque prête. Il me reste juste à transférer les frites dans une assiette et les peindre avec la bonne couleur. Les frites horribles sont prêtes. Enid, Enid, que fais-tu, ma chérie? Calme-toi. Donnons plutôt les frites à goûter à Kim. Waouh, tant de variétés de pommes de terre! J'ai vraiment envie d'essayer. Oh, celle-ci? Les frites arc-en-ciel ont l'air tellement mignonnes. Voyons ce que ça donne, le goût. Pas mal. Et ensuite, je m'attendais à mieux. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça a l'air vraiment bon, mais ça a l'air des frites normales. Bon, j'essaye. Waouh, c'est délicieux! Et ensuite, des frites noires? C'est un peu inhabituel. Voyons ce que ça donne. Beurk, c'est dégoûtant! Mais celles de grand-mère sont délicieuses! Grand-mère a gagné! Ne dors pas! J'ai fini mon dessin! Je veux vraiment des pâtes! Pouvez-vous les faire? Génial! Nous allons mettre les spaghettis dans la casserole pour les faire cuire. Et moi, je vais faire mes propres spaghettis! Oh, j'ai envie d'éternuer! Achou! Oui. Tout dans la farine! Excusez-moi, on a fait un tas de farine et on casse deux œufs. Mais avant cela, on peut un peu jouer! Oh, un bon un suffira. On pétrit une délicieuse pâte. Waouh, c'est beau! Maintenant, il faut en faire quelques petits ronds égaux. Et maintenant, le plus intéressant, la coloration. Avec toutes ses couleurs préférées, on fait passer chaque morceau à travers une machine spéciale et mes pâtes arc-en-ciel sont prêtes. Et moi, mes pâtes sont-elles prêtes? Parfait, il faut tout transférer dans l'assiette. Oh, je ne vois rien du tout.
cette vieillesse. Et où est le ketchup? Attends, je vais t'aider. Je dois en ajouter dans les pâtes. S'il te plaît. Oh, trouvé. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Je suis couverte de ketchup. Il faut tout essuyer maintenant. Oh, maintenant je vois mieux. On arrose les spaghettis de ketchup et c'est prêt. Bravo, grand-mère! Et toi, Wednesday, qu'as-tu préparé? Mes spaghettis sont prêts. Il faut les transférer dans l'assiette et les peindre en noir. Ah, as-tu vu mon colorant? Oh, tu es toujours là pour moi. Merci beaucoup. Je pense qu'une goutte suffira. Il manque quelque chose aussi ici. Oh, qu'est-ce que tu m'as apporté? Un petit peu de ketchup? Oh, comme c'est effrayant! Mes pâtes sont aussi prêtes! Hourra! Je vais ajouter de mignons petits poulpes faits de saucisses! Et bon appétit! Oh mon Dieu! Ces spaghettis ont l'air très effrayants! Ce sont de vrais doigts? Non, non! Je ne veux pas ça! Je vais plutôt essayer ces spaghettis-ci! Waouh, ça a l'air délicieux! Et qu'avons-nous ici? Waouh, des pâtes en arc-en-ciel! Génial! Il faut les goûter tout de suite! Oh, c'est incroyablement bon! Amy, tu as gagné! Waouh, merci, petite sœur! J'ai presque fini de dessiner! J'ai envie d'un délicieux cacao! Je suis une experte! C'est très facile. Pendant que vous bavardez, je commence déjà à le faire, moi! Je dois mettre du cacao et du lait dans la casserole. Bien mélangé et chauffé. Parfait! Maintenant, on verse dans la tasse que ma petite fille m'a offerte. Grand-mère, tu es top! Et puis, que puis-je faire, moi? Oh oui, je vais faire du cacao avec du chocolat! J'en ai même du coloré et incroyablement délicieux. On met du chocolat dans la casserole et on le fait fondre. Il faut ajouter un peu plus de sucre pour que ce soit bien sucré. Oh, pas trop de sucre, ma chérie. C'est un petit peu. D'accord, grand-mère. Je vais juste en mettre un petit peu. Tu vois, juste une goutte. C'est très bien, ma chérie. Elle ne regarde déjà plus. Allez, j'en mets encore plus. Kim, elle adore ça. Minute, j'ai détourné le regard pendant une minute. C'est trop. Oups. Où est-ce que je m'étais arrêtée? Ah oui, j'ai besoin de verser un petit peu de lait maintenant. Cette bouteille est tellement difficile à ouvrir. Allez, ouvre-toi! Non, tout le lait a débordé sur moi. Bon, ça devrait suffire pour le cacao. On verse tout dans la casserole et on mélange. Parfait! C'est délicieux ce glaçage. On décore le verre pour que Kim se régale. On verse le cacao, un peu de crème fouettée et plein de bonbons. C'est parti! Allez, c'est prêt. Alors, comment trouvez-vous ma boisson? Moi, je trouve qu'elle est géniale. Merci, grand-mère. Oh, vous êtes tellement adorable que ça en devient écœurant. Je vais servir le cacao dans un verre crâne. Grand-mère, qu'en pensez-vous? Effrayant, non? Alors, c'est un excellent verre. J'ai besoin de lait, de cacao et d'un peu de sirop. Ah, c'est juste du sirop. Maintenant, on verse tout dans un verre. Parfait. Il doit y avoir une petite touche de crème noire sur le dessus et une délicieuse garniture. Tout est prêt. Oh mon Dieu! Tout est prêt! Oh, ça a l'air tellement intéressant! Je veux commencer par le cacao de Wednesday. Il est aussi rouge que mes cheveux. Et celui-ci, sûrement de grand-mère. Délicieux! Et cette boisson arc-en-ciel est sûrement de Yenit. Waouh! C'est tellement bon! J'ai décidé que le gagnant est... un choix difficile, mais... Yenit, le sien est le meilleur!